Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ça? Oh mon dieu! C'est quoi? Je sais pas! C'est quoi? C'est une sorte de gros sanglier? Ah, c'est dans Food, ça serait dans Food. Attends, je vais retourner voir près de la machine. Ah! Il vient vers nous? Eh, viens, viens vers le piège! S'il te suit. Putain, t'as refait un intermède, très bien. Il y a des chiens avec lui? C'est ça? Donc c'est un monstre avec des chiens? Ah, le voilà. Vas-y, viens, viens. C'est bien de pas avoir de webcam, en fait, parce que putain, vous verriez ma gueule. Bah, la mienne doit pas être terrible non plus quand je... J'ai eu le truc, je fais... Et hop. Allez, viens chercher bonheur. Oh, bah, il y en a plein partout. Bah oui. Oh mon dieu, c'est quoi ça? Bah, je sais pas. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Je sais pas. Ah. Bon, en tout cas, ça marche très bien, hein, les pièges. Attends, je vais les recharger derrière toi. Nickel, hey, il est mort. Moi j'aime ça! C'est beau! Et c'est qui? Parce que moi j'étais parti chercher le koa, c'est en un fait, boar à la base. De nom. J'étais juste ah, parti. C'est un chef chien! D'accord! Bah il a pas fait longtemps, hein, grâce à nos champs de pièges. Eh mais c'est génial là! On a la partie de l'infini maintenant, si on se débrouille bien. Ouais, enfin faut pas faire la. Oui, non. Mais c'est le genre de partie où il va falloir finir par arrêter de nous-mêmes, je veux dire, ça se trouve, jour 365, c'est la limite, hein. Ah bah, on a dit, hein. C'était notre limite. Merde, bah, je voulais des Lulu et le Koa, bah, du coup, j'ai par rien contre, foutu. C'est pas grave. Et j'irai l'année prochaine. Je vais remettre ça et ça, voilà. Mais non, 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 c'est pas ça que je voulais prendre, je crois. Ça fait plusieurs mois que je... J'en ai marre de demander à utiliser mon salon. Tu m'étonnes. Mais et toi, t'as des travaux dans ta maison, Elilo? Comment ça se fait que... Ça fait des mois que ça dure, ça veut dire? Ou alors elle est en travaux, tu fais construire? Ou tu fais rénover? Ou t'as une fuite d'eau? Je t'ai laissé une dent parce que je suis fou. Le gros chien, c'est quand on suit le coéléphant et on peut tomber dessus. Ah, ah oui, on peut tomber okay, dessus à la place bah, du coéléphant. C'est bien la première fois que je tombe dessus. Oui, c'est la première fois que ça nous arrive. Donc en fait, c'est ça, tu partais chasser le coéléphant. Exact. Et, d'accord. Bah ben, voilà. On apprend des choses grâce à vous. Merci beaucoup. Mais non, mais... Ah, non. Bah c'est bon, on l'a tué du coup, il a fini dans les pièges, Céos. À moins qu'il y ait un énorme décalage, mais je pense pas. On en a fait qu'une bouchée. Coucou aux 5 viewers sur Dailymotion. On sait jamais, il y a peut-être un vrai viewer dans le tas, c'est peut-être pas que des bots, un peu de respect. J'suis pas sûr. Donc n'hésitez pas à passer sur Twitch pour parler dans le chat qui s'affiche. Car je ne peux pas lire sur Dailymotion, sinon ça me fera ouvrir 15 000 fenêtres. Déjà j'ai une fenêtre pour voir les viewers de Twitch, Dailymotion et même YouTube. Bon, vu que sur YouTube Gaming, il n'y a pas encore de place aux Français, hein? Il y a zéro viewer, mais je diffuse quand même dessus, aussi, également. Bon bref, là je fais rien, donc on va ranger la viande. J'ai trouvé une graine, donc ça en fait deux. Ouais. Voilà. Et ça... Je vais faire un... On va faire plein de bonbons, tiens, pour la santé mentale aussi. Ouais, je me sens pas très bien dans ma tête. Mais ça dure vachement longtemps, miel. Là, c'est pas à peine d'en ramasser, hein. Laisse les ruches pleines parce que. Non, mais par contre, merde. J'aime pas comment foutre. Par contre, faut remettre du carburant. Dans les machines? Ouais, là-bas, j'en remets. Celle de la maison, ça va. Okay. Mais... Ouais, ouais. Celle de la maison, j'en avais remis, donc. Normalement. Okay. Et bah, les ruches, c'est bon. Ok. C'est bon. Putain, j'ai ramené du bois aussi. J'en ai chopé. Bah, je vais repartir faire ce que je faisais, moi. C'est-à-dire. Que dalle. Bon, on l'est rien, celle-là. Fais attention à toi, toi. Je rigole. Tiens. C'était pour moi les boulettes, merci. Non. Ah bah écoute. Bon bah, hein. Mange-les, écoute. La vilaine dryade. Ah bah... Vous avez vu ça un peu, vous êtes témoin. Hein. Eh, c'est pour les faux, c'est toi qui me fais le coup. Ça, je vais faire... Ah, le koa. Voilà. Bon, je fais quelques bonbons pour la santé mentale, hein. Puis après, je vais refaire les petites boulettes. Le miel ne pourrit que très lentement. Bah ouais, je vois ça. Ouais, c'est génial. Nistalie. On a combien 3 ou 4 ruches? On a 4 ruches. Et c'est largement suffisant vu ce que ça donne. Hein. Mais c'est vrai que du coup, ouais. Ça c'est chouette. Ouais,
Ça, c'est pas parce mal que... du tout, parce que quoi c'est que bon, si on a des problèmes de bouffe, ça nourrit un petit peu. Ah oui, ça nourrit, donc oui, autant les ramasser quand même. Regarde, là, je peux nous... Allez, hop. Et ça redonne de la vie, en plus. Bah si, en fait, je vais le ramasser. Je vais ramasser le miel. Donc ça avance pas trop, là. Ah, on a dû en ramasser récemment. Quoi. On attend encore un petit peu avant de ramasser. Je pense que ça peut encore être plus rempli que ça. C'est nul. Ah, tu rénoves, d'accord. En vrai, quand tu as tué des traces, tu as une petite chance de tomber sur lui, d'accord. Une chance de 15% de tomber sur le maître chien, tout ah comme bah, ça. Ah bah, c'est bien la première fois que je tombe dessus. Bah oui. Puis après, les statistiques, ça marche pas non plus pareil. Hein. Bon. On va pas faire le cours de maths, parce que moi-même, je n'étais pas un grand féru. Donc, thématique. Ah bah, je sais pas où il est, pépère. Putain, j'ai 21 dents, faudrait que j'aille chercher de la pampoille. De la pampoille. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ah, y'a plus de papaye. Bon. Qui ça? Y'a un chien gratos, là. T'es pas près du désert? Bah non, je suis dans la forêt. D'accord. Faut que je fasse des trucs avec le collier. Alors, ah oui, le seau de caca. On va voir ça dans food. Ah oui. Bucket of poop. Oh, bah on a tout ce qu'il faut. C'est 3 caca, 2 os. On a tout ça. Alors, 2 os. Ah bah, je te récupère une dent. Cool, j'en ai déjà 21 et je sais même pas quoi en foutre parce que j'ai plus assez de... Voilà, et là, on va avoir de quoi faire ouais, le bucket of poop. Sera pour Ah oui, un seau à caca. Alors, je sais pas comment ça marche. Ouais, le seau à caca. Examine. Donc, je sais pas à quoi ça sert maintenant. Qu'est-ce qu'on fait avec... Salut, Jack Abdoul. Ah tiens, c'est marrant, Jack Abdoul. C'est comme Jean Mouloud, non? Tu devrais enlever ton chapeau, Sgan. Mais pourquoi? Ça protège de la chaleur? Tu comptes faire un serveur dédié pour jouer avec tes viewers un jour? Oui, c'est prévu, Koto, juste après. Juste après cette partie-là, on organise ça. Avec un petit serveur dédié. Il faut le ramasser quand le miel touche le sol, ça en donne 6. D'accord, c'est bien ça. Alors, Kotomi, avec cette partie ici, ils vont faire une partie avec les viewers. Ouais, c'est juste après cette partie-là, la partie avec les viewers. Là, l'objectif, c'est bon, l'objectif. Un peu avant, je vais faire un peu de carbal quand même, histoire de, tu vois, là. Parce que sinon, au bout d'un moment, ça, de faire que du carbal, ça saoule. Et le pauvre Elilo, Don't Starve, ça... Voilà, après une longue partie qui t'a pris plusieurs jours et que tu perds tout, bon... On va faire un petit peu autre chose pendant deux... Bon, généralement, on tient pas plus de 2 jours avant de relancer une partie, généralement, quand on a un truc de prévu. Et voilà, ça redonne un petit objectif, la partie avec les viewers. Ok, bon, on va faire ça. Et j'espère bien faire ça avec les caves, justement. Voilà. Il va faire du carbal, pas de plainte. Où je bats. Avec le seau, tu peux fertiliser 10 fois. Ah, d'accord. Tout en utilisant 3 caca. Bah oui, c'est vrai, c'est bien ça. D'accord. Donc là, je fertilise genre comme ça, et ploup. Et ploup. Et ploup. Je les fais pousser, je les aide un peu. Ah, super ça. C'est bien. Merci. Du coup, je pose le seau près des champs, Adrien. Okay. Bonne nuit Dark Snacker et à la prochaine, merci à toi d'être passé. Bonne nuit. À bientôt. Alors Elilo, l'objectif c'est de mourir maintenant pour pouvoir jouer avec nous. C'est presque ça. Ouais, arrête, ils vont plus nous aider. Mais oui, sinon là en off, j'ai construit ma fusée sur Kerbal, tu sais, j'en avais parlé. Pourquoi j'ai mis du caca? J'en avais parlé Elilo. Ah merde, c'est vrai qu'il y a la machine. Et donc j'ai construit la fusée, fait un test et j'ai réussi donc à envoyer mon caddie sur Moon et à commencer à rouler sur Moon. C'était nickel. Et vu qu'il y a beaucoup moins de gravité, ça se casse pas quand il y a des trous, ça flotte et puis voilà. Donc maintenant j'ai plus qu'à refaire ça avec vous en vrai, en essayant de pas trop me craquer.
Je l'ai vu arriver dans la chambre hier avec un immense sourire. Yeah. Ouais, j'espère que j'avais réussi. Merci Taléo pour le follow. Bienvenue à toi prends place parmi Welcome. Nous. Désolé, j'ai pas de nom de communauté, hein. Genre bienvenue parmi les. Voilà. Je peux dire les chevelus, mais bon, il y a que moi qui ai des cheveux. Bah, je suis pas chaude. Non, t'es pas chaude. On est là aussi, non ? Merci, Kirel, pour le host, si tu es là. Mais merci à toi, en tout cas, c'est gentil. Merci, Kir. Cool, une glace à l'oiseau, trop tard. Oh, tu vas te faire défoncer par Réal. Coucou, Kirel, tu vas bien ? Coucou. Les sganachiens ? Oh non ! J'aime pas les chiens. Mais j'ai pas prévu de trouver de nom, mais après, je sais pas. Bienvenue à toi, et puis voilà. Moi, je suis rasé. Ah, t'es rasé, mais parce que t'es chauve, et du coup, t'as dû raser. C'est comme les punks à chiens chez Sgan. Je m'en vais. Oula, vous l'avez blessé là. Ah ! Y'a les chiens, déconne pas ! Ah ! Putain, j'ai pas dans la bonne direction en plus. C'est à cause de Kirel ! Mais c'était une bonne cache-chien. Heureusement qu'on a un méga champ hein, de piège. Alors il me reste, tiens-toi bien, 5 points de vie. Ça a failli y aller. Oh la vache. Oh. Ouh, que d'émotion hein. Oh putain. Bon bah je vais récupérer un petit peu de vie. T'as déjà à faire ça. J'ai chaud, bordel. Est-ce qu'on a un petit fruit du dragon là? Bon, pourquoi j'en ai plus que deux qui me courent après, je comprends pas. Il n'y a pas un qui a poussé? Même pas. Quiquette. Oh là. Non. Non. Pas chaud. Pas chaud. Non. Non, pas mourir. Pas mourir. Oui, ma... Oh, la pierre, elle est finie. Il est beau, votre champ de pierre. Ouais, t'as vu? Et encore, j'ai encore 21 dents. On attend qu'il y ait un peu de paille qui repousse et on va continuer de l'agrandir parce que là, on est hyper safe avec ça, hein. Oui, on a vachement bien récupéré, on s'en est sorti. Dria nous a fait des piqûres. Ah bah j'ai gueulé par contre. On a eu du mal, mais on a réussi à s'en sortir, putain. Si t'avais été là, t'aurais été mort de rire. Bon allez, je me fais à bouffer et pas récupérer de la vie. J'ai gueulé, qu'est-ce que je préfère, les trucs au miel? C'est quoi? C'est deux miel, une viande et un légume. Ah, ça me fait chier de rentrer parce que j'étais pas bien, mal ça. Jeté, mais j'ai pas le choix là. Allez, go. Hop. Putain, faut que je les fasse cuire, les viandes, elles sont en train de faire. Je vais encore récupérer des dents. Ah ouais. Du coup, je suis passé par les marécages, donc. Très bien. Merci, la tante cool. Bonsoir à vous, les viewers de Kirel. Qui nous a gentiment ramené. Bonsoir à vous. Je suis pas un bifalo. Non, je suis pas chauve, j'ai juste les tempes qui remontent un peu trop. Et j'ai décidé de pas attendre d'être chauve, ouais. Moi je triche hein, parce que je rabats les cheveux, mais souvent bien ça. Bon, ça va encore, je vais pas me plaindre. À 32 ans, ça va. Si ça reste comme ça à 32 ans, c'est que ça devrait pas être trop pourri. Ah non, mais j'y tiens mes cheveux. Je suis comme ça depuis que je suis en 5ème. En 5ème, je sais pas si ça existe, la 5ème. La deuxième année de collège. Un 5 de viande, je crois, Sgan. Bah oui, bah ça a fonctionné. Bon, j'ai récupéré un peu de vie déjà, mais il m'en faudrait plus. Enfin, que je refasse des trucs au miel. Ah oui, on a du... Non ! Ah, crash de Don't Starve. Tac, c'est reparti. Voilà. L'écran se gagne. Oui, j'ai tendance à... Pourtant, je me vois là, juste à côté. Il se gagne, il oublie. Qu'est-ce qu'il y a... Fais quoi avec ton écran ? Parce que quand, comme ça avait crashé, j'ai mis là. Et je... c'était pour qu'on puisse voir Dryad. Ah non, mais y a pas besoin. Mais bientôt. Ouais, l'écran... Oh, ça va, calmez-vous. Le devant, nickel, à l'arrière, ils sont trop fins, ils font des gens en mode barba papa. Oh, c'est mignon. Ah, toute la fin de la semaine. Bah alors. Salut Grumeux. Salut à toi et merci pour le follow. Je te remercie à nouveau. Peut-être que t'avais pas entendu tout à l'heure quand tu t'es abonné, mais en tout cas, bienvenue à toi. Welcome in paradise. J'ai dit que c'était toi le punk. Mais pas un punk à chien. Un punk ou un punk à chien, c'est pas pareil. Punk à chien, ils sont juste drogués et ils ont des chiens. Une tête de drogue. Ils boivent de la 8-6. C'est pas faux. Alors que papa maman leur paye un appartement en centre-ville. Mais
c'est tellement mieux. Attention, c'est pas des clichés, hein, c'est juste que j'ai connu. Enfin, moi, pas. Des potes. Là, j'ai dit, les gars, c'est n'importe quoi. Enfin, bref. Chacun fait ce qu'il veut, mais c'est. Ça ressemble plus à de la crise d'adolescence. Qu'à de la vraie. Qu'à une vraie philosophie de vie, en fait. Surtout ça. Ah! Ah, j'ai chaud. Putain. D'accord, t'étais pas là. Mais tu dis pas. Je dis pas toi. Oui, je sais. J'ai compris que c'était pas moi. Mais je disais juste. Oui, alors je me suis peut-être trompé. J'ai lu de travers. Excuse-moi, Kirel. Bref, Galacha, si tu préfères. Non, mais pas de soucis. On verra. Moi et les noms de trucs, c'est pas mon fort. Pour ça que je dessine, je suis pas trop. Non, c'est moi qui trouve les surnoms ouais. Relous et complètement stupides. Mais ça viendra un jour. Un jour, on va trouver une expression genre. Bienvenue à la communauté derrière le fond vert, hein, tu vois, un truc comme ça. Kirel, maintenant, j'ai le crâne aussi lisse que les fesses d'un bébé, mais sans l'arrêt. Ça me laisse rêveur, Lilo, ouais, ce que tu là, me dis. Là, tu nous vends du rêve, là. Ouais, putain, ouais. Et tes fesses ne sont-elles pas lisses non plus, Lilo Latops? Est-ce que tu mets du calque sur ton crâne, Lilo? Pour avoir le crâne doux. Pour te laver le crâne. On a eu l'attaque de chien ou j'ai juste. Oui, oui, on l'a eu. J'ai même pas oui, réfléchi. Que j'ai pas tout l'attaque compris, de chien, en fait, jour 137. Les doigts dans le nez. Je l'ai pas vu en fait. Tu l'as pas vu? Je sais pas toi, mais moi je l'ai pas eu. Bah moi je l'ai eu, mais bon, ils sont pris les piques. Et puis bah du coup, j'ai pas besoin de faire des recettes pour récupérer de la vie. Et tu vois, j'ai juste faire de quoi faire des boulettes. Y'a des boulettes! Merde. J'ai dû insulter le seul viewer qui est sur Dailymotion, ok. Non, est-ce qu'ils étaient 5? Maintenant ils sont plus que 4? Personne ne parle dans le chat. Ou alors maintenant je regarde plus dans le chat de Dailymotion. Qu'est-ce que je cherche? Je sais pas. Hein? Des légumes, sûrement. Pour faire des boulettes. Voilà, genre comme ça. Il me reste 10 graines. Hein, donc. Ouais, on a plus du tout de. Bah, faudrait venir les planter, je crois. J'arrive. Je vais faire cuire la viande qui se périme. Bon, il y en a qu'une. Mais de toute façon, avec tous les chiens qu'on se rattrape à chaque fois. Bah non, j'en ai là des légumes, des fruits et légumes. Bon alors. J'ai 3 graines sur moi. Des citrouilles. C'est la magie. Ça coupe chez moi aussi, c'est la loose. Bah alors. Ah pourtant, merde. Attends. Si je fais. Ça, ça coupe chez toi, mais c'est pas possible. Bah non, j'envoie entre 800 et 1000 gros max kilobits par seconde. Bah sinon, t'as la. Bah voilà, ça vient de s'afficher dans le chat, Kirel. Tu peux regarder sur le lien de Dailymotion Gaming pour régler la qualité, mais bon. Et tu mets le chat du coup à côté. Mais c'est moins rigolo. Le truc pas relou du tout. Le truc pas relou du tout. Alors oui, je live aussi sur Dailymotion, mais c'est plus pour une question de qualité à la base. C'est juste que j'ai un compte Dailymotion. En fait, je multi-stream, mais le stream principal, c'est vraiment Twitch. Hein. C'est, en fait, j'ai un petit message sur YouTube Gaming et sur Dailymotion qui dit que de venir nous rejoindre sur la chaîne Twitch, qui est vraiment le cœur central du stream. Mais voilà, c'est histoire de ramener des gens qui vont pas forcément sur Twitch ou qui sont aussi sur Dailymotion et qui peuvent me croiser et se dire ah tiens il est sur Twitch et puis hop voilà. Désolé hein, les Français non, de Dailymotion. Le piaf, mais c'est à moi. Votre service de stream il est pas optimisé. Puis surtout il y a énormément de bots donc c'est pas agréable. Quand des fois j'ai déjà eu 14 personnes et personne ne parle. À mon avis il y a beaucoup de bots pour faire venir les gens et avoir l'impression qu'ils ont des viewers. Enfin, voilà, c'est tout. Moi au début j'ai eu problème de fluidité de live, mais c'est bon. D'accord. Ah, toi t'as une vraie connexion, ça fonctionne. Ça te fait pas trop laguer le multi-live? Non, pas du tout, parce qu'en fait j'envoie. C'est Lilo qui m'a donné ça. J'envoie vers un site en fait, c'est Restream. Et c'est ce site là qui renvoie le flux. Le flux vidéo vers les multiplateformes. Donc moi, non, moi ça me fait pas laguer.
Et je vois justement, si vous pouvez voir ce qui arrive en faisant sur la fenêtre de vidéo, faites clic droit. Vous faites vidéo playback stats ensuite. Et là, vous avez tout le playback stats. Moi, je vois que donc ça envoie exactement comme moi ce que j'envoie justement là sur moi. Il n'y a pas de perte d'image ni rien. Alors que s'il y avait un problème de... Un problème de flux, on va dire, de flux vidéo qui serait un peu trop lourd, ça se verrait. 30 images secondes, il y a la buffer size, il y a tout ce qu'il faut. Donc clique droit sur la vidéo et vous faites vidéo playback stats. Vous avez toutes les stats. Ouais, Taco a plus envie de rouler des câbles. Re-Rosslayer! Alors, je vais faire quelques cordes quand même, parce qu'il y a des trous dans les pièges. Faut refertiliser les fermes. Ah oui, il y en a une qui cramouille. Je sais pas trop combien je vais en faire, je vais voir. Oh, j'aurais pu aller dormir, moi ça va pas trop bien. Bon, ça va, les autres ont l'air d'aller. Merci Kirel de nous avoir prévenu, ça commençait à pourrir un peu. Ah, merci beaucoup. Tiens, ça j'ai pas besoin d'avoir ça sur moi. Je sais pas si j'ai tout ramassé dans le champ. Hein. Pas sûr. Ah merde. Si, j'ai rien y aller en fait. Ok. Parce que du coup, on a perdu des pièges. Je vais en rajouter quelques-uns. Non, c'est toujours été. Je vais Est-ce que t'as de la paille en trop sur toi ou pas du tout? Pas des masses parce que je viens de. Ok, non, c'est juste pour savoir si je pouvais refaire des pièges. Je viens de refaire des pièges en fait. Enfin, je suis en train. Ah, t'es en train de faire les pièges? Bah, quelques-uns parce qu'il y avait des trous. Ok. Avec le... Parce que j'ai 22 dents sur moi et. À limite, les dents qui sont là, je les pose. Hein. Ah bah oui, parce que ça prend de la place à chaque fois, puis elles vont pas. Je vais voir s'il y a un peu de paille de disponible, à nouveau. Ah merde, j'ai fini ma pierre. On va mettre ça par là. Bah non, je suis con. Moi, j'ai pas la fibre, en Belgique, c'est pas utile, mais quand j'ai quand même 100 mégas de down et 6 mégas de up. Putain, t'as 100 mégas en download, mais que 6 en up, alors que moi, j'ai 30. Moi, j'ai 30 en down. Et j'ai presque 8 en upload. Donc voilà. Je suis en VDSL. Très exactement. Ah, en pleine campagne. Près d'Angers. En pleine cambrousse. Putain, il n'y a toujours pas de foin hein, par contre. Hein. Ça a bien cramé. Bah écoute, moi je suis allé après les marais là-haut. Ah, là, ah oui, c'est top. Ah oui, bah, t'es peut-être parti un peu loin. Peut-être que par là ça pousse un peu mieux. Est-ce que je ramène du caca du coup? Ah bah oui, le caca c'est délicieux. Hein. Ouais. Oui. Peut-être ramener ça par chez nous, ça peut être intéressant de ramener des pieds de foin hein, si je les mets pas loin du feu. Si. Vive la campagne, en plus on est en bord de Loire. C'est juste génial. Le mec qui fait sa pub quoi. Mais non, mais la Loire, ce magnifique fleuve ouais. Sauvage. C'est ça. Il y a tous les châteaux de la Loire autour, il y a. Bah parlons-en des châteaux, tiens. Hein. Quoi se baigner. Oui, parce que pour la journée vous du, en coup, parler, de, moi, du des patrimoine, châteaux, on s'est dit tiens, on va aller visiter le château d'Angers, les tapisseries de l'Apocalypse, ou alors on peut dire aussi la tenture de l'Apocalypse. On se ramène, il était 5h moins 10. Ouais. Et là, désolé, on arrête de faire rentrer les gens à 5h moins le quart. Sauf que tu fais comment quand t'as un gamin qui fait la sieste, putain. Ouais, t'es content. Bon, c'est pas grave, hein. On verra plus tard. Et là, t'as pas les glandes, quoi. Salut, Wesley Sniper. Tu vas bien? Coucou. Je sais pas pourquoi il te redit bonjour. Ah non, t'es peut-être pas passé sur mon chat, c'est pour ça. On a dû se croiser chez Kirel. Bonsoir à toi, et donc c'est Dryad derrière le fond vert. Coucou, c'est Dryad qui gueule derrière le fond vert. Enfin, là, ce soir, je gueule. Allez, pas. Là. Non, ça va, t'es plutôt cool. Je suis plutôt cool? Ouais, tu vas me garder? Non, tu m'engueules pas, ni rien. Attends. Remettons les choses à leur place. T'as vu la merde que t'as fait hier? Faut dire la ce qu'il merde est. Que j'ai fait. Oh là là. Oh la vilaine Dryad. T'as fait du caca boudin quand même, hein. Non, c'est encore moi qui follaye. Non, c'était avant-hier déjà. Oui, c'est ce que je disais, je me suis rattrapé après. D'accord. Bah j'ai écoute. Oupsé. Bah, hé hey, oh, tu te plantes? En BO. Non, BO, hé. T'es neuf. T'as ramassé le miel ou pas? Non. Bon, alors, bosse pas beaucoup, hein, ça fait un moment que c'est, bah, ça. Alors, les ça. Filles. Je sais pas ce qu'il faut. Il faut mieler. On va péter les. Faudra péter les squelettes, mais bon, pour l'instant, ils sont là, ils sont bien, ça fait une réserve de. Bon, bah, je vais laisser les dents par là, à ce moment-là, et puis.
dès qu'on aura un peu... pendant deux jours, tu as fait de la merde, Gann. Merci, Céos, ça me fait super plaisir. Ah, merci, Céos, me défendre. Mais Céos, à chaque fois, il défend Andriade. Il y avait une graine cachée. Oh, la bourrique. Et le seau, ça fait... ça, j'ai super faim. Ça fertilise, Andriade. Ouais, non, mais c'était... Pardon ? Oh, rien. où est la pourriture que j'avais mis dans mes mains ? Normalement, j'ai... Ah, voilà. Pourriture. Ça redonne pas des masses de vie. On peut fertiliser autre chose ? Non, c'est bon. C'est fini. Bon, je ramasse les petites baies. Faut recharger les canons à neige. Oui, c'est vrai que là, ça commence à arriver à la fin. Oula ! Attends, bah je... Merci, Wesley. Merci beaucoup, c'est vrai que j'ai fait tout à l'heure, mais là j'y pensais pas du tout. Du coup, ma quoi à couper avant que tu répondes à la question de si tu vas faire une partie avec nous. Oui, 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 c'est prévu. À la prochaine partie, on va prendre un petit serveur dédié pour faire une partie avec tous les viewers, parce que c'est vrai que ça m'a été énormément demandé du coup, pendant toute la semaine là où on a joué sur cette partie. Donc oui, ça intéresse pas mal de monde. Donc, la prochaine, là c'est pour ça qu'à chaque fois j'ai dit non, on joue que tous les deux, mais la prochaine... On va jouer tous ensemble, on va faire les foufous. Objectif 365 jours, l'espoir fait après, vivre. Après, je pense pas qu'on se mette sur Mumble, je pense qu'on communiquera dans le petit chat interne du jeu, parce que si on est tous sur Mumble, ça va être un peu le bazar pour les gens qui regarderaient. Je pense que c'est la meilleure solution. Bah du coup, personne ne regardera, parce que tout le monde sera en train de jouer. Oui, mais c'est, ça va bien. Non, mais je... Mais c'est pas grave. Le principal, c'est qu'on s'amuse ensemble. Tu t'es fait... Bon, alors je crois qu'il y a un nid 3 étages plus bas, j'y vais, non, mais à mon avis... Tiens, les pierogi, alors c'est un œuf, un légume, une viande, et... Et un autre légume. Et deux légumes, ok. Un œuf, une c'est viande... C'est deux légumes. Et deux légumes. C'est deux légumes, ouais. Ok. Donc, je vais en faire deux, tiens, ça pour récupérer ma vie. Ah putain, ça... 3 étages encore... Deux légumes, hop, et un œuf, et une viande. On est bien là. Oh là, on se calme, là, les paupiètes, on, hein. on se calme. Il faut que je m'en fasse par contre une petite. Les unes après les autres, on respire, tout va bien. Là, c'est ce que je leur dis aussi. Voilà. Chacune votre tour, je vous buterai toutes, vous inquiétez pas. Ça, c'est à la fin quand je vais m'en débarrasser pour pas que ma femme des coupes de poteau rose. Voilà. Look. Tout va bien, les filles. Le kit de couture, il est cassé. Oh non. Oh non. Oh non, Nicolas. Oh non. Oups. Allez. La chasse au Lulu. La chasse au Lulu. Il a sauvé la vie. Je l'ai sauvé la vie. Ah tiens, toi, je vais t'éteindre. Le temps de... Voilà, brûler cette merde. Ah, t'es comme ça, toi. T'es violente. Ouais. Voilà, je peux couper le casque. Pierogi. Au frais. Manger un peu de bois. Si on va regarder pour vous entendre. Bah oui. Il n'y a pas beaucoup de fleurs non plus pour autant de ruches. Ah, c'est peut-être ça. Oui, je vais reprendre des papillons. Ah, c'est peut-être ça, d'accord. Et c'est vrai qu'on avait eu un incendie il fut un temps. Mais bon, les papillons, ça devrait revenir quand même. Alors, qu'est-ce qu'il me faut? Deux toiles d'araignée, normalement, on a la manse de toiles d'araignée. Faut que je range ça au fond, très bien. Ça, et les carottes. Alors, des petites lulus, s'il vous plaît. Alors, toi, la pierre au frigo? Bah, j'interchange avec celle-là. D'accord. Suivant l'humeur. Je peux te la piquer parce que j'en ai plus. Ah bah ouais, c'est pas le mien. Merci. En fait, c'est toi qui me l'avais pris, donc je pensais que je la trouvais plus. Allez, des lulus. Là, l'étoile. Hop, un petit filet. Et puis on va aller replanter. Replanter. Ah, qu'est-ce qu'il manque? Une corde. Oh merde. Ah si, c'est bon, il y a du foin. Tu m'as remis du foin dans mes poches. C'est toi? Non. Ah non? Non. Ah non, d'accord. Je sais plus. T'as du sign? C'est bizarre. Je me retrouve avec 24 points, j'en ai plus que 5. Alors soit j'en ai ramassé, mais je m'en souviens plus. C'est ça qu'on parle en même temps dans le chat. Le problème pour finir cette partie, il faut mourir et ils sont mal partis pour ça. Pas si sûr, hein. Des fois ça peut arriver d'un coup. L'été on gère. Mais... D'ailleurs, il va falloir penser là pour le printemps de s'occuper des taupes. Ah, tes taupes.
En quatrième, tu mets ce que tu veux, un légume, un œuf, de la glace, du miel. Ce que tu veux. D'accord, merci pour les rappels, Kirel. En fait, vous êtes pas attaqué au côté magie du jeu? Pas... Si, un petit peu. Ah, on a commencé, on c'est a fait vrai, des gemmes en début d'été pour se rafraîchir. Avec l'été, là, ça a été mais un peu... Pas... Mais je vais m'y remettre, là, parce que j'ai rien de plus à mais faire. Mais on a pas du tout regardé tout ce qui est magie, on a pas du tout pratiqué. En fait, je peux là, faire un nouveau chapeau. Je m'occupais surtout de... Les nouvelles choses que je peux faire. Un top hat, le plus classieux des chapeaux, je sais pas à quoi ça sert, sinon, techniquement. Je m'occupais surtout là de... Survival, je peux faire... Je vais y arriver à cracher ma main. C'est le filet que je voulais faire à la base, hein. Voilà. De nous remettre un peu en forme, on va dire. Ok, bah moi je vais faire du papillon, sous les conseils de Kyriel. J'ai des... Parce que c'est vrai que c'est un peu limite, mais j'en avais mis pas mal ici. Ah bah merde, oui, tout a brûlé. Tout ouais, a brûlé non, à cause des à chiens. Ouais, ouais. Je vais tout remettre à l'intérieur. Non, 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 pas l'abeille, pas l'abeille. Ça va pas, non, t'as tué. Peut-être que je vais mettre mon petit chapeau. Où est mon chapeau, voilà. Un autre papillon. Enfin, oups, pardon, j'ai pas fait exprès. Je voulais choper le papillon, mais j'ai chopé une abeille à la place. Je me suis fait eu. Ah si, il y a une fleur qui a survécu par là. Bon, allez, lâche-moi, c'est bon, calme-toi. Bon, je vais être obligé de te tuer, ça va être nul. Ah, tu as une petite graine. Mais lâche-moi. Rentre chez toi. Pas vrai ça. Voir des abeilles cernieuses alors que je leur offre le gîte et le couvert. Bah ça, de toute façon, il n'y a plus qu'une reconnaissance. Hein. En plus, je vous ramène des fleurs. Mais regardez-moi ça. Attends. J'avoue, j'emmerde et je rentre à ma maison. C'est pour moi qu'elle... C'est bon, elles m'ont lâché. Enfin, surtout la rouge. Quasiment 3 minutes de décalage. La vache. Oui, en effet, tu vas avoir un petit problème de connexion, Kirel. Redémarre la box.